Une importante rencontre s'est tenue à la Chambre de commerce de Libreville entre le ministre des Transports et du Tourisme, les syndicats et organisations intersyndicales des transports. Initiée par le chef de ce département, cette rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets, comme celui de l'augmentation des prix des produits pétroliers, le problème de la grille tarifaire des taxis et l'ensemble des réformes initiées dans le secteur transport. Depuis un moment, nous avons observé une tendance haussière des prix des produits pétroliers et que face à cette tendance haussière, les transporteurs, les syndicats de transport, une frange a appelé à la révision à la hausse des tarifs de transport urbain et interurbain. Donc il était question pour le ministre des Transports et du Tourisme que je suis d'entretenir les partenaires sociaux, notamment les syndicats et les centrales, sur les raisons qui militent en faveur de libéralisation des produits pétroliers et sur le fait de les indexer dorénavant à la fluctuation, du moins au cours du baril à l'international. Les syndicats, c'est vrai qu'ils ont dit que c'était un cri d'alarme, mais l'interprétation sur le terrain a laissé, nous a fait observer d'une manière exagérée l'augmentation par les uns et les autres des différents tarifs. Donc l'opportunité de cette rencontre, c'était de dire que les textes qui encadrent les prix ou les tarifs de transport urbain en République gabonaise datent de près de 15 ans et qu'il était question que nous associons les services des experts, ceux-là qui ont la connaissance avérée dans la détermination des différents prix de transport urbain et interurbain, au syndicat, au ministère, au cabinet du ministre de Transport et Secrétaire Général pour mettre en place une grille de prix, une grille tarifaire actualisée. Une commission avec toutes les parties prenantes, sous le contrôle d'un cabinet privé d'experts en la matière, a été mise en place pour penser une nouvelle grille tarifaire adaptée.